Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 7 du Let's Play de Arc Aberration en compagnie de Izilou, Kaya, Kabur et Drax. Messieurs, dames. Salut. Toujours un plaisir de vous retrouver. Alors d'ailleurs, ça a bien avancé hein, depuis le dernier épisode. Pourtant, il s'est écoulé 15 jours, mais moi j'ai pas joué, donc après je découvre comme vous. Sachant qu'ils ont ramené l'eau, ils ont terminé l'ascenseur et on a des nouveaux équipements qu'on va vous montrer tout de suite. Et Izilou, normalement, est parti, je crois. T'es là ou pas, Izilou? T'es parti? Ouais, je suis là, mais j'ai dans un joueur. Ouais, t'es là, mais voilà. T'es pas à la base, quoi. Effectivement, ouais, il y a un problème de modération, donc le temps qu'ils reviennent, je vais aller m'équiper en pote. Kabur? C'est là, ici, dans la petite maison. La petite maison, ah, il y a. Non, je t'ai même fait la petite terrasse et tout, tranquillement. Attends, cette maison-là, il était pas avant la petite maison, là? Non, c'est moi qui l'ai rajouté hier soir. Attends, alors, il y a deux petites maisons. T'as la maison collée à la grosse maison et t'as la petite maison collée à côté. Alors, ici, c'est la cuisine, mais l'eau, elle est par là, mais quoi. Derrière les spinous. Je suis bien bon endroit ou quoi, là? Non, là, t'es dans la cuisine, viens voir, viens dehors. Je suis derrière les spinous. Dans la cuisine, quoi. Derrière les spinous. Elle est cachée par le contrebas. Ah, d'accord, ah, ok. Là-bas, la petite maison avec la terrasse. D'accord, et on a de la flotte, alléluia. Alors, je vais m'occuper de ça. Access inventory, ça il faut mettre dans l'inventaire, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça recharge, ok. Alors, il y avait déjà deux jarres, hein, pour info, dedans. Oui, c'est, je l'ai, quand il y en a qui servent à rien, je les mettais dedans. Mais normalement, tu dois avoir des gourdes en polymère, non? Ouais, les gourdes, c'est encore mieux, non? Le polymère, tu peux boire 4 fois dedans. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Alors que celle en pot, elle se vide toute seule, donc c'est chiant. Je confirme. Je l'ai vu dans un épisode. J'en ai deux, donc c'est parfait. Il manquerait juste de la bouffe. Ouais, dans la cuisine. Tiens, bah non, même moi, dans Alberta, là, j'en ai plein. Alberta? Ouais, c'est un petit ravageur que j'ai trouvé, niveau 120. Attends, il est où Alberta là? C'est là, je suis dessus. Là, à côté de toi. Ah, c'est toi, mais j'ai vu Drax. Tiens, autant pour moi. J'ai pas les yeux en face du trou. On va te montrer la batterie aussi. La nouvelle batterie qui est dans le jeu. Ça ira très bien. Ok, donc j'ai de la bouffe, j'ai de la boisson, c'est nickel. J'ai aussi, et je vais le montrer en vue, voilà, caméra, j'ai des ailes. Qui va nous permettre de planer, hein, pas de voler au final, hein. On est bien d'accord. Mais non, ça sert à planer. Ouais. Ouais, ça plane. Et ça s'abrique donc du coup avec des gemmes bleues principalement, c'est ça? C'est le bleu, la ressource la plus chiante à avoir, mais sinon ouais. Ouais, c'est du métal et le reste encore ça va, mais c'est les gemmes bleues qui sont chiantes à avoir. Ok. Petite question, Gadu, est-ce que tu as sur toi des piolets? Non, j'ai une hatchette, mais je crois pas qu'on peut grimper. Je crois qu'il y en a dans l'atelier. Ouais, il doit y en avoir dans l'atelier, oui, mais tu dis ça. On va au moins 3, parce que ça s'use vite. Ici, ouais. Il en reste 2 normalement. Il faudrait que tu viennes voir la nouvelle batterie qu'on a aussi. Il a fait une blague, mais je dirais pas avec ça s'use vite. On dira rien. Okay, donc, il faut en prendre qu'un seul. Hein. Un seul, en fait, il y en a deux. Non, prends les deux, parce qu'en fait, ça s'use très vite. Ah oui, d'accord, mais je veux dire, quand on met un sur toi, t'as bien les deux mains oui, prises. Oui, oui, ça t'en met deux. Tiens, je t'en crafte un troisième. Oula, oula, oula. Tremblement de terre. Kaya, pété. Il y a Siri Wolf qui est en haut, qui est à poil. Parce qu'on l'a dépouillé. Bon. C'est bon? Non, pas non, ça dure assez longtemps en plus. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Viens voir l'ascenseur. Faut que tu viennes vite fait. Ah oui, l'ascenseur. Il y a l'ascenseur à voir. Et quoi d'autre, Kaya? Viens dans la cuisine, effectivement. Ah oui, on a crafté une batterie. On a pas besoin de générateur ramasser, pour alimenter le frigo. Alors, c'est une batterie pour un générateur normal, on est bien d'accord. J'allume une torche. En fait, il faut la mettre directement dans les appareils électriques et ça fait l'électricité. Et pas besoin de générateur normal. Oui, voilà, parce que l'essence dedans, sur le savoir, il y en a pas. Si, mais il y en a, mais pétrole est plus ou moins rare. D'accord, donc il y a une batterie dedans. C'est compliqué à avoir. Et on a bah, évidemment des œufs, etc. et de la viande. Ouais. Et pour recharger la batterie, c'est des petits papillons. Oui, des petits papillons de lumière. Ouais. Apparemment, on pourrait aussi les recharger dans les espèces d'hôtels qui servent à crafter des éléments. Tu sais, les machins verts qu'on voit un peu partout. Putain, là, le tremblement de terre, là, c'est un cauchemar. On ramasse pas ce qu'il y a par terre? Non, ça vous intéresse pas? Oh non. Non. Y a du bois, hein. La carte en plein paquet. Mais non, on a un rat. C'est vrai que c'est pas grand chose en même temps le bois qu'il y a dedans. Bon, enfin, bon, bref. Donc, du coup. Le programme, vous voulez remonter à la surface, hein, c'est ça? Oui, mais pour ça il nous faut les tenues anti-radiation. Le problème c'est qu'on n'a pas assez de gemmes bleues pour crafter les tenues anti-radiation. Donc on va aller chercher. Temps, il faut descendre dans les profondeurs pour aller chercher les gemmes bleues. Et bah on va y aller peut-être, est-ce que vous avez des questions avant qu'on y aille? Non, il faut aussi faire attention. Voilà. Il y a Drax qui parle plus depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi il est timide. Ouais, j'écoute. Faut parler Drax, faut pas avoir peur comme ça. Non. Non, mais je décolle, je charrie. Bah, dans ce cas-là, on va y aller. Oh, vous avez un dodal! Avec oui, un œuf et un caca. Un seul. Ah oui, ouais, c'est dommage, ouais. La pauvre. Izilou savait pas quoi faire, alors elle l'a pris. Bah, ouais, il était là, il était tout seul. Faut trouver un mâle maintenant.
Mais c'était ça, pas le plus beau celui-là, on avait vu des plus beaux, Zilou. Hein. Bah, c'était le seul qui traînait, je crois, bien dans le coin. Ouais, il était appris ce qui passait. Y'a un problème, Alex? Hein? Non, je me touche à chaque fois. Ah, d'accord. Je pensais que tu faisais un cauchemar là, parce que du coup, tu faisais. Bon, du coup, on va sur des ravageurs, mais on pourra pas planer avec les ravageurs. Non. D'accord, donc faut marcher déjà un peu avant, poser les ravageurs. Un seul là, t'en as trois. Attends, je vais prendre un petit niveau parce que je risque de le fail, hein, vous savez bien. Donc, enfin, le petit niveau, je vais prendre le 108 là, ça te va? Ouais, y'a pas de sel. Il a pas de sel évidemment, donc j'ai piqué la sel. T'as les deux autres. T'as celui-là ou alors t'as le 89 là? Ah, y'a un 89, bah non, je vais prendre le 89, c'est pas bien. Bah, tiens, bah pique la selle de l'autre. Ah, mais ouais, mais en plus t'as la selle sur le plus haut niveau quoi. Moi j'ai piqué la selle de l'autre, attends. Attends, hop. C'est bon. Je suis en train de carter les selles de couchage au cas où. Mettez-vous sur le petit ascenseur et je vais vous larguer. Oui, parce qu'en fait l'ascenseur on l'a pas vu non plus. Il y en a deux des ascenseurs. Alors attends, il doit prendre des niveaux mon ravageur là. Est-ce que je peux lui mettre des niveaux ou pas? Bah il a combien de vie déjà? Je vais te dire ça, il est à 1200. 200 c'est peu. Et il a 19 points valuable. Hein. Ah oui, 19. Bah ouais. Je sais pas, vous pensez que c'est quoi le mieux, qu'on mette un petit peu en vitesse 20. Ou en dégâts? Ouais, il met 10 en dégâts et 10 en vie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais 10 en vie, 10 en dégâts. 10 en vie, 10 en dégâts, ok, ça marche. Ouais, la vitesse, on verra plus tard. Voilà, et en dégâts, melee damage, j'en ai bien d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. C'est fait. Voilà. Bah, les niveaux sont neufs, du coup, il est plus que l'autre au final. Enfin, c'est pas grave. Peut-être que l'autre. Alors, mets-toi sur l'ascenseur là. Alors, l'ascenseur est terminé correctement parce que Kabur a réussi à faire. Je sais pas ce qu'a fait Alberta là, mais elle a fait un truc de fou là. Je l'ai vu descendre. Attends, est-ce que je peux grimper sans. Oh là oui. Non, normalement ça passe si tu vas doucement. Attends, t'es sûr? Parce que ça sent le fail encore ça. Ils ont réussi à passer donc oui, je pense que oui. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Et vous larguez. Alors ça on l'avait déjà fait en vidéo, Kabur, t'étais pas là mais on l'avait déjà fait. La descente. Par contre ce qu'on avait pas vu c'était la montée. On descend jusqu'en bas ou quoi? La montée si tu veux, tiens je peux le faire. Non mais c'est chiant à monter, c'est très chiant. Mais c'est pas ça qu'on voulait dire. C'est il se pose où ton ascenseur? C'est comme les ascenseurs en métal en fait, ça change rien, c'est juste le haut en fait qui change. Non mais quand je dis il se pose où, c'est il se pose pas tout en bas quoi. Non. Il y en a un deuxième après pour redescendre, ouais d'accord, parce que Kaya avait fait un seul pour tout. Au début, c'est ce que j'avais fait, et en fait, vu qu'il était tellement loin, il aurait fallu faire un très grand pont, donc du coup, j'en ai fait deux pour se faciliter la vie. Et, par contre, j'arrive pas à descendre, c'est normal. Il faut maintenir E et faire hold. Il y a un petit bug là-dessus. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. En fait, on visait vers le haut en fait. Alors, oui, je connais. J'ai cassé quelque chose ou quoi là? Non. Ça peut bien parce que sur le dino, en fait, pour descendre du dino, je parle. Ah oui, il faut viser la caméra en haut parce, ouais, parce que sinon t'as l'explosion de la plateforme. C'est ça, c'est exactement ça que j'ai eu. Bon, bah c'est nickel. Bon, ça se passe bien, ça. En plus, non, ça déconne pas leur ascenseur là, c'est pas mal. Non, non, on est bien là. Moi je descends en tyrolienne. Ah, y'a la roue alors, tu sens pas en plus. Ah, c'est vrai que la tyrolienne descendante, par contre, j'ai pas essayé. Enfin, j'ai essayé vite fait au premier. La tyrolienne, surtout avec les ravageurs, c'est juste excellent quoi. Ah, tiens, je commence à être assoiffé, tiens. Bien. T'as vu le rat gagner? C'est bon. Le rat. Ah, vous l'avez. Vous l'avez récupéré. Ouais. Regarde comment il s'appelle. Oui. Kabur. Et regarde, je vais te montrer un truc. Prêt? Kabur, j'imagine bien en rat. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, mets la capote là. Ah non, c'est pas ça? Je pensais que la capote est sur la capote de voiture là. Il y a plusieurs places sur la selle en plus. Et donc du coup tu ressors, tu vomis ou comment ça se passe? Non, ça va, regarde. Hop. Effectivement. Et ça va vite en plus. Ça casse tout sur le passage. Hein. En plus ça casse tout. Ouais. Alors pour la petite info, la selle du rat justement, elle a une durabilité, donc au bout d'un moment elle casse à force de faire des roulis-boulis. ALW, attends une seconde, la ALW, où c'est que j'ai vu ALW moi déjà? Sur le RP1. Ouais c'est ça, ouais, ce que je me disais, ouais, bah qu'est-ce qu'il fout là? Bah il est venu jouer sur le RP3, découvrir. Lissounet, là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est son droit, bien évidemment, mais je suis étonné qu'il soit là. Bon, bref, où est cette grotte aux gemmes? Alors, bah, c'est par là. On va aller par là. C'est vraiment l'autre bout de la. L'autre bout de la caverne. Et on n'a pas essayé les ailes aussi, hein. Bon, peut-être qu'on essaiera plus tard. Parce que ouais, là, du coup, le programme, ça va être chercher les gemmes bleues. Ensuite, crafter. Attends, j'ai plus vite que toi, Drax. Ah. Bon. Tu dois être lourd aussi, toi. Par contre, bon, là il y a un petit bug, hein. Je sais pas si vous voyez, moi je vois une touffe d'herbe dans. Oui, moi aussi je vois.
Ouais, ça s'est arrivé, c'est déjà arrivé plusieurs fois aussi sur... Oula, c'est quoi ça? Oula, oula, oula. Oh, c'est un... Ouais, ça, ça. D'accord, ok. Ça vous inquiète pas. Faut pas paniquer. Oh bah... Attends, tu connais pas le fail, hein? Toi, Kébure, tu n'es pas là pendant les 6 premiers épisodes, hein? Oui, j'étais pas là. Et y'a un Spino! Y'a un Spino! Ça va, on va le manger. Non, vous allez pas le tuer, un Spino, quand même? Il va prendre des claques. On va réussir à le tuer, Spino. Ah oui, bah, il a pris 5-6 claques. Ah oui, d'accord, je pensais qu'on allait morfler là. Ah bon. Non, du tout. Ah, vous avez pris des niveaux ou j'ai pris un niveau, je sais pas qui. Ah non, c'est le. C'est. Ah, il y a un paradis qui dort. Top. Il s'est fait endormir par un scorpion. Ah, je pense. Ah ouais, d'accord. Un joueur. Ouais, quand il est marqué train d'apprivoiser par quelqu'un, en fait, c'est que c'est un dino sauvage qui l'a endormi. Bah, et si c'est pas quelqu'un d'autre? Sauf s'il y a marqué quelqu'un qui s'appelle quelqu'un, parce qu'il est marqué entre crochets quelqu'un en fait. Non, parce que je connais qui s'appelait personne sur le serveur. Oui, oui, dans la tribu, le nom de la tribu, c'est aucune tribu. C'est ça. Dès qu'il t'a tué, c'est personne, il est dans quelle tribu? Bah, aucune tribu. Voilà. C'est ça. ça fait penser à. Merci qui. Ou... Vous savez, vous appelez François, c'est juste. Bah, lui aussi, c'est juste. Donc on va passer devant la grotte en fait qu'ils ont voulu essayer de t'emmener à l'épisode 2 si je dis pas de bêtises. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas très forts en... Ah, il y a un feu là. Eh, on n'a jamais été par là. Alors que je leur ai donné des instructions simples. Eh, normalement je rappelle que les constructions sauvages sont interdites. Hein. Ah bah il y a un mec, ah bah c'est bon. Laissons-le. Que il va nous dire hablo espagnol. Salut. Qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas entendu. Il a dit salut. Ok. Bon, on traîne pas, je sais pas qui c'est, mais. Avançons, ne nous attardons pas, sinon on va l'avoir dans l'oignon. Mon dino a encore pris un niveau, je mets quoi? Deux points. Vie et damage encore? Ouais, c'est surtout la vie et les dommages. Vie, damage, ok, ça marche. Parce que c'est justement devant, il y a trois ravageurs là-bas. C'est juste parce que c'est gênant sur mon écran. Et moi, je vais mettre. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, dans la vitesse, je suis dans la merde en vitesse. J'étais à 103 là, ça fait quoi? Yes, faut 150 max, pas plus, ça sert à rien. Bah, je suis 106 maintenant. Oh, 72 celui-là. On peut pas aller loin. Ouais. C'est beau, n'empêche, cet environnement, vous avez vu ça? Ah ouais. Moi je disais, ça fait penser à. Oh là, qu'est-ce que vous graillez là? C'était des ravageurs. On prend des niveaux tellement rapidement et on est que en x3, hein, je vous rappelle. Pour les viewers. Ouais. Ah bah voilà, j'ai encore pris un niveau, mon ravageur a pris un niveau. Je mets quoi? Ce que tu veux. Ce que je veux? Ah bah non, là t'es dans la merde. Je vais lui mettre oxygène. C'est environ 5000 de vie, 1000 de stamina et 150 de vitesse. Après tout le reste dans les dégâts. Je mets de stamina là, dans ce cas là. Il t'a 700, ça fait 770, c'est peut-être pas mal. Ok, ça marche. Retenu. Je suis pas sûr que je y arrive, mais on va essayer. Il y a de l'écho par contre chez l'un entre vous de temps en temps, je sais pas si vous l'entendez. Ah bon? Ouais. Je crois que c'est quand c'est Drax qui doit muter son micro. Ah non, je l'ai pas muté. Je crois que c'était Izilu parce que la dernière fois aussi il me semblait brasser. C'est pas grave, c'est un détail. Il y a des constructions à droite là, c'est à qui ça? Je connais pas, je sais pas. En plus, il a bien posé, t'as vu ça? Il a posé pile sur le caillou et tout. C'est. Il y a un pont aussi, t'as vu ça? Ouais, bah justement le pont, on va y aller justement après. Justement les deux entrées, mais je veux juste qu'on passe devant le trou. Moi je suis Drax, hein. Je sais pas si je suis bien. Ah, je suis Kabur, moi donc. Ah bah bon, voilà. Si on a Kabur en vue, c'est que c'est bon. Si on a pas en vue, on est pas le barré. Ah bah si je suis plus là, ils vont se barrer. Voilà, ils. C'est bon. Ils ont aucun sens de l'orientation. Et une tortue, vous la prenez pas la tortue? Non, c'est moche. Moi j'aime bien les tortues, je trouve ça mignon justement. Ah bon? Avec ces petites pattes là. Non, vous aimez pas, c'est pas grave. Non. La soupe à la tortue, j'aime bien. Alors là, Gadu, si tu regardes devant nous. Il y a un trou dans le mur. Oui. Et c'est par là qu'on ira après quand on aura les tenues anti-radiation, c'est pour aller à la surface. D'accord. Ah oui, alors d'accord. Et c'est là qu'ils étaient censés t'emmener. Ah bah, ils ont tout failli, hein. Et il y a un truc à gauche là. Ah non, c'est un champignon. Oh, je voyais une taupe avec le. Oh. Ouais. Excusez-moi, c'est mon imagination. Si vous l'avez vu aussi, hein, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'ai voyé une taupe. Ah, il y a du métal. Ah, il y a du métal, ouais. Oh mon dieu, du métal! C'est vrai que c'est rare, on viendra le chercher plus tard parce que je pense qu'avec les gemmes bleues on va être plein après. Ouais. Attends, est-ce que vous avez pris du gaz là du. Parce que j'avais ouais, perdu. J'en ai posé une foreuse justement. Ça sert à quoi? Alors ça sert à récupérer, tu sais, les boules roses qui. Quand le geyser se met en route, t'as une petite boule rose qui tombe. Oui, c'est celle-là que je veux. Et bah voilà, et bah en fait quand tu mets la pompe dessus, en fait ça te remplit la pompe de boules roses. La ponte? La pompe.
C'est une pompe en fait qu'on met dessus, gaz de station, quelque chose. Et un extracteur. Attends, je te la refais. Je te demande juste à quoi servent les boules congelées là. Et alors les boules congelées justement, on en a besoin pour crafter les tenues anti-radiation. D'accord. Donc toi tu me parlais de pomper le gaz qu'il y avait dans le truc. En fait oui, c'est une espèce de geyser, il y a marqué gaz de station et en fait dedans tu récupères les boules de gaz. C'est ça. Non, en fait je dis ça parce que j'en avais récupéré mais je suis mort après. C'est pour ça que je voulais en récupérer, je te posais la question à quoi ça sert parce que du coup je les ai perdus. Mais t'as répondu à la question. En fait, on s'entendait mal. Ouais. Un petit fien encore. Non, mais vous imaginez des bulldogs à l'état sauvage? Ils feraient pas long, hein. Un mouton? Bah. Ouais, non. Bah, je sais pas, il vous suit. Vous le gardez ou pas? Non, vous en foutez du mouton. Le mouton, non. Ok. Ouais. Ah. Et la map est absolument gigantesque. Là c'est quoi, c'est énorme. C'est quoi le truc là, vert là? Alors ça justement, c'est là-dedans qu'on peut soit recharger les batteries, soit crafter des éléments pour le tier tech. Quand tu vois le prix que ça coûte à faire des éléments, je t'interromps. C'est pour fabriquer des éléments ou c'est en fait l'équivalent du truc qui utilise des éléments pour fabriquer des trucs? Non, c'est pour fabriquer. Quand tu regardes l'inventaire dedans, regarde, tu as la composition en fait pour crafter les éléments. Je descends parce que ça m'intéresse. Alors, pour crafter des éléments, effectivement, il y a la compo, ouais. Tout ça pour un seul élément. Pour crafter des éléments. Mmh. Ah oui. Ah ouais. Ok, d'accord. Et il est toujours allumé parce que là c'est qui power de. Il est toujours allumé, ouais. Et là-dedans, quand tu as tes batteries qui sont vides, tu les mets dedans et en fait ça recharge les batteries aussi. D'accord, bah c'est bon à savoir, donc du coup, quand on se balade, faudrait ramener des batteries vides, quoi. Ouais, c'est ça, mais des trucs comme ça, il y en a partout. Ah, d'accord. Ouais, on en trouve vraiment partout. Ok, ça marche. J'aime bien les deux Edicurus aussi. Faut savoir qu'ils ont réellement existé, hein, les deux Edicurus. Bah oui. Et t'as vu l'allure qu'ils ont? Tu dis qu'ils allaient pas faire long feu, hein, mais bizarrement, ils ont quand même réussi à survivre. Par contre, celui-là, tu vois, je l'attaque pas, celui-là, tu vois. Ah, il y a un trou. Voilà, et bah justement, c'est là qu'on voit, toi. Alors, là, c'est l'entrée pour aller dans le niveau inférieur. Le pont a été crafté par quelqu'un, par contre. Ouais, parce qu'en fait, il a construit sa base derrière. Le métal à gauche. Bah, allez chercher le métal si vous voulez, mais je passe à la maison, c'est qu'elle est. Parce qu'il y avait un deuxième pont, hein, donc... Ouais, mais attends, elle est devant sa maison. Ah, bah là, regarde. Tiens, regarde, le gazou. Oh, un gros cube. Ah, mais il a tout fait. Bah là, c'est ça, c'est la pompe. Ah, il a posé la pompe, ouais, c'est à côté de chez lui, donc forcément, il a raison. Voilà. Et, attends, question, est-ce qu'on aura dû prendre ce qu'il y a dedans? Il l'a verrouillé, donc elle est verrouillée de base. S'il la déverrouille, je pense que c'est autorisé, mais là elle est verrouillée, donc on peut rien prendre. Non, mais c'est nickel pour le RP, parce que je dis, c'est des viewers qui regardent et ils vont se poser la question, est-ce qu'on a le droit de prendre ce qu'il y a dedans? Si c'est déverrouillé, je pense que. Enfin, automatiquement, quand on le pose, c'est automatiquement verrouillé. D'accord. Donc si c'est déverrouillé, c'est qu'il l'a volontairement fait, donc il y a de grandes chances que c'est pour le donner accès à tout le monde. D'accord, j'ai compris un nouveau, en tout cas pour ravager un nouveau. Ok, ben merci pour ces infos, Kabur, là tu nous aides beaucoup. Tu m'as dit. Par contre, j'ai des 5000 en vie, c'est ça? Eh, il va jamais y arriver, 5000 en vie. Oui, non, mais lui, c'est un très bas level. Donc, je dis, moi, le 120 que j'ai là, quand de vie de base, il était à 1000. Wow, et là, je suis à 5000. Et mouvement speed, ça t'intéresse pas? 150 maximum. Il y a 135. Ça sert à rien d'être plus. Voilà, donc là, en gros, il va falloir qu'on arrive à descendre là. Alors, je vous suis. Là, c'est magnifique. Hein. Oh là, il pleut là. Ah, c'est lui qui a posé ça aussi? Oui, c'est lui, en fait, sa base elle est là sur le côté, à droite. D'accord, et en plus il vous laisse l'accès, quoi, y a pas de soucis. Ouais, enfin au début il avait fermé, il avait une grande muraille avec une behemoth, et le problème c'est que vu que c'est l'un des accès principaux par rapport à là où on se situe, il y a plein de tribus qui sont venus nous voir parce qu'ils pouvaient plus passer, donc on a été le voir. Au début il avait juste enlevé la porte, il avait laissé l'encadrement, mais je vois qu'il avait viré carrément la muraille entière. Oh la vache, c'est beau ici. Voilà, donc en fait les gemmes bleues, on les cherche là, en fait c'est des cristaux bleus au sol qu'il faut qu'on farme, il va falloir trouver ça en bas. Bon, est-ce qu'on saute? Non, justement, il va falloir qu'on trouve un moyen de sauter parce que là, même s'ils ont très peu de dégâts de chute. Moi je pensais sauter sans ravageur. Ah bah tiens, il y a une tyrolienne. Mais s'il y a une tyrolienne, utilisons la tyrolienne. Hop. Alors je sais pas si t'as déjà pris la tyrolienne avec un ravageur aussi. Oui. Bah vous avez laissé les ravageurs là, c'est à qui les ravageurs parce que moi? C'est à lui. C'est à lui, je pense. Oula, ça bug là. Oula, moi ça bug totalement là. C'est quoi ce bazar là? What? Alors là, je suis passé en dessous. Et quand t'as glissé? Ouais, le problème c'est que je suis pas sûr de réussir à remonter. Hein. Regarde. Je peux essayer de sauter. J'ai peur, c'est qu'avec la pente. Au pire, si tu revois le curseur de la tyrolienne, remonte dessus pour t'avancer. Ouais, mais je vois plus le curseur. Super. Ah, c'est bon, je sais sauter, c'est bon.
Ok, donc on grimpe encore. Attends, où est le fil? Non, parce que je vois rien du tout. Excusez-moi. Voilà, je vais mettre une petite lumière déjà. Le fil est un peu à ta droite en haut. C'est bon, je l'ai. Voilà, et c'est pour descendre. Voilà. Ah, là, ça marche. C'est bon. Là, ça marche. Je sais pas, j'ai bugué, ça a tremblé, c'est l'écran et puis. Ah, là, ça. Par contre, il est où l'autre fil? Je le vois pas, moi. Vous êtes descendu par où là? On a dû sauter, nous, après. Nous, on a sauté, ouais. T'es carrément sauté juste en bas? Oh là là. Il y a. Putain, on va prendre la hauteur. Il y a un Nemless. Un Nemless? Ah oui, je le vois, d'accord. Ah oui, et en sautant là, vous prenez pas de dégâts? Non, mais après, il faut déceler au dernier moment. Enfin, moi, je l'ai fait en tout cas. Ah oui, si, Je suis sans le fail. Attendez, arrêtez vos conneries, moi j'ai failé après. Vous sautez où je suis là? Ouais. Oh, ça sent le fail. Alors là. Fais attention, juste hein. Moment là où tu les viewers vont regarder bien. Sans descendre de ton dino, normalement ça passe. Et bouge pas. Attention, c'est parti. Hop. Et là, tu vas voir que je vais crever avec la chance que j'ai. Hop, voilà, tu vois. Ah non, il a rien pris. T'as pris les dégâts ou pas? Rien. Non, attends, on va essayer de descendre plus par là parce que là. Pimpette. Et c'est peut-être parce que c'est pris la pente en fait. Mais c'est avec ta lumière, je pense. Avec la lumière, normalement, les Nameless, ça les repousse. Ça les repousse. Par contre, je me suis mis en vue première personne. Comment on fait pour changer ça? Je m'en rappelle plus. Molette vers l'arrière. Ah, c'est pour ça. Ah, d'accord, ça. Je me disais, j'ai touché la molette, c'est fait. Ok, donc là, vous passez. J'essaie de descendre, par contre. Je vois pas de plateforme. Eh, pour remonter, si coup après. Hein. Oh, t'inquiète pas, j'ai des tyroliennes. Je crois que Drax en a aussi, on peut en tirer. Moi, j'en ai trop. T'étais dans la fuite ou quoi là? Non, en fait, je pensais qu'il y avait un rebord, mais non. Il y a un rebord, mais beaucoup plus bas. Ah, bah, il y en a un qui passait aussi là. Vous êtes mort ou quoi? Non, il y a un rebord en dos. On peut y aller ou quoi? Parce que. Non mais moi j'ai failé. Vous m'avez pas dit qu'il y avait du fail. Vous m'avez dit non, t'inquiète pas, il y aura pas de fail. Ouais, c'est ça. Je saute dedans alors. Ah, c'est bon. Mais il y a de l'eau donc normalement. Je saute dans la cascade, on est bien d'accord. Il y avait pas besoin de sauter dans la cascade. Ah, il y a des carquinos. Oh putain. Ouais, il fallait pas. Bah tiens, je viens de sauter dans la cascade. Allez, dans le fail. J'ai survécu, je sais pas. Ah oui, parce que c'est. Oui, d'accord, ok. Rejoignez vite à la surface, ouais. Y'a des piranhas là derrière toi, y'a un gros truc là. Et y'a un. Y'a les lampes. Alors... Oui, mais y'a un carquineuse donc t'arrêtes pas. Alors attends, je me casse vite. Grimpe ça vite. C'est bon. Et il nous a pas vu. J'ai pas failé. Attention, c'est un sarco devant nous là-bas. Tout le monde s'en fout, mais je le dis. On est dans la cascade en fait là, c'est ça? On est descendu par la cascade. Ouais, ils ont sauté dans la cascade. Là, il pleut beaucoup de choses. Le ravageur que Gadui là, il est trop au bas niveau, il aura pas assez de vie, il y a des électrophoristes et tout. Il y a un sarco aussi de Tari là, on le bute pas sur. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à le passer. Oui, j'ai vu ça, il t'a regardé, mais sauf que moi j'ai failé, Kabur. Ah. On tente le coup, on peut pas le tuer le sarco là. Attendez, j'arrive. Attendez, on a tué un sprio tout à l'heure, vous allez me dire que le sarco. Ah, niveau 8, on peut bouffer sans problème. Ah voilà. Les gars, parce qu'il y en a un autre plus loin, je crois. On est comme des cons en train de sauter comme Mario là. Oh non, il y a un truc qui m'a attrapé, c'est un crabe. Beau. Il t'a attrapé le crabe? Ouais. Ça va rip. Vous avez remarqué que les fleurs ont la même lueur que les cheveux de Isilou. Pardon? Oh, tu sens pas les couilles que j'ai fait un peu de poésie hein, tout de suite. Hein. Là, ça c'est du métal. Non, je disais les fleurs là, elles sont bleues au ciel, elles sont couleur du gaming. Ah oui, d'accord, ok. Comme les cheveux d'Isilou. Ah, il faut qu'on essaie de vous retrouver, vous. Vous êtes où? Moi je suis toujours au-dessus. Ah bah nous, moi, nous on est bien, je sais pas ce que vous foutez, vous êtes lent hein. Ça vous intéresse le scarabée ou quoi là? Non, le scarabée non. Ouais pour l'instant. On peut le grailler ou quoi? Ah bah mange si tu veux. Par contre j'ai des soucis de freeze moi, c'est vachement chiant. Non mais c'est pour montrer que j'ai un peu de skill en PVP quand même tu vois. Ouais j'ai du mal à le tuer n'empêche. Saleté. Je déconne. Bon, on fait quoi du coup en bas là? Bah moi je sais pas où vous êtes mais... Attends, il y a deux crabes de tari là-bas, c'est quoi ça? Les carquinas. Kaya, t'es où toi? Bah t'as on se casse. Ouais. Ça pue là, non? En sérieux? Bah ouais, je me fais... Ah oui, ça pue là-bas, Bon, les 4 alors. Alors attendez, Kaya a failli, c'est ça? Bah non, c'est vous qui avez failli à cause de... Et moi je vous ai suivi en plus. Non mais on est bien où on est, c'est quoi le problème là? Pourquoi bah, nous on est... Normalement, de là où vous êtes, je vois que là-bas il y a une liane, vous êtes censé pouvoir nous rejoindre. On est de l'autre côté de la rivière, nous. Bah moi je suis empoisonné, les gars. Ah, ouais, pareil. Au pire, vous voyez le gros pont en pierre au-dessus de la rivière? Attends. Là, je me fais attaquer là. On va attendre un peu. Hein. Alors. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de. Attends, il y a une saloperie là! Oui, il y a un baronix, vite. Dégagez, parce qu'il nous attrape. Ouais, c'est méchant ça. Oui, en plus, il te fait tomber de ta selle. Ah oui, donc après, il peut te tuer tranquillement. Ah bah attends, tiens, il y a une Yann, on va pouvoir les rejoindre. Ouais, vas-y, elle est où, Daliane? Elle est là, ici.
Ah, ils ont failli, j'en reviens pas. Ah, ouais, j'ai remonté là. Non, t'inquiète pas, on va réussir à vous rejoindre normalement. Ok. Non, c'est pour savoir, sinon moi je cherche pas à sauter. Désolé, Drax, hein. T'as failli. Ouais, pas de soucis. J'ai un de mes dinos qui est. Oh, j'arrive pas à descendre l'alien. Voilà, oula, faut faire gaffe. Attendez. Oula, oui, effectivement. Mais c'est bon, mais y'a pas de danger moi, derrière. Soucis, mais. Non, on devrait être bien. T'arrive. On va vous rejoindre, on va vous aider. Par contre, si vous voyez un truc invisible, courez. Ah, c'est déjà là. Moi, on m'a dit que ce truc-là, il était au troisième niveau, c'est pas ça? Bah, on est au niveau où il est. Ah, t'es sérieux? Déjà? Oui. Moi, je suis là où il y a des crabes. Et il y a possibilité qu'on tombe aussi sur des Reaper King et Reaper Queen. Ah oui, c'est des saloperies aussi, ça. Voilà. Bah, sinon, là, il vient de faire un Rock Drake, là. Alors. On mourra tous. Et voilà. Bien. Normalement, on va arriver sur la même rive que vous. On arrive. Moi, je suis sur la rive, hein. T'inquiète pas, on va arriver. Ah ouais, je vois quelqu'un. Tu vas voir que dès qu'on va arriver, il y aura plus personne de ce côté-là. Ils sont partis de l'autre côté. Bon. Oh, il y a un truc là, c'est quoi ce truc-là? Ouais. Attendez, c'est quoi ce bordel là? Il y a un animal, je connais pas. Quoi? Wow. Ah, c'est une mini. Attendez, c'est un bébé. Ah, c'est la chèvre. C'est une mini chèvre. Oh, la chèvre. Ça se tame comment ça? En passant, c'est comme le petit chien. La Shine Horn. Ouais, c'est une mini-chèvre. Bah, qu'est-ce qu'on fait là? Le problème, c'est qu'on a tous un bulldog sur les épaules, on pourra pas le ramener. Mais moi j'en ai pas, moi j'en ai pas. Ah. On a pas. Alors, attends, si tu la taille, je la ramène. Qu'est-ce qu'il y faut dans l'inventaire? Bah, réveille-toi là. Attends, faut ramasser les champignons des trucs que vous prenez là. Comment ça se fait? Bah, ça se fait à la baie ou aux champignons, mais. Ah, mais. Ah, c'est bon. Eh, mais regarde, elle me répond. Elle vient de me répondre. Elle m'a regardé, elle a fait. Ils sont où là? Je sais pas du tout où ils sont. Allez, la méjouberry ça marche pas. Eh, elle remue la queue et tout, elle est trop mignonne. Attendez, on est d'autre côté, vous nous voyez pas. Un seul problème. Il nous a vu, Il va nous grab. Eh, vous nous voyez pas là? Bah, attends, vous êtes. Si vous mourrez, hein. Pas de champignons dans le coin, c'est chiant ça. Viens, les yeux. Tu veux qu'on essaye quoi? Faut essayer de ramasser si vous. J'ai essayé les méjouberry et les. Les fleurs rares, ça marche pas. C'est une chèvre. Une chèvre, ça bouffe quoi? En théorie, ça bouffe des choux, mais pas que ça, ça bouffe de l'herbe. Pire, là, y a une peut-être des fibres. Ah ouais, il y a une. Ah non, essayez les champignons comme les. Oui, mais le problème, c'est qu'on ramasse pas de champignons. On a pas de champignons. Bah, ils font cuire. Bah, comment on. Oui, mais justement, ce que je dis, c'est qu'en fait, on est en train de ramasser tout ce qui traîne, mais il y a pas de champignons. Vous en avez sur vous des champignons ou pas? Non. Non, justement, j'en ai pas. Attends, mais Izilou et Kaya. Oui, moi j'en ai trouvé un peu. J'ai ravi de champignons. Ah bah si vous en avez trouvé. Ouais, ça marche avec ça. Tiens, ouais, mais vous êtes C'est quoi? Eh, j'ai jamais fait de tame. Avec ça, il y en a encore. Tu mets ça dans ton dernier slot. Ok. Tout, dernier slot et. Top projet. On est. Il y a la cascade. Dès qu'il voit le message bleu, ils m'ont tout pété. D'accord. Ok. Dernier slot à droite, on est d'accord. Hein. Ouais, le dernier dans le zéro. Eux, t'as dit, hein, c'est bon. Je l'ai donné. Et ça se tait mieux comme ça? 10% en passif, ouais. Jusqu'à temps. En fait, tu la suis et t'attends dès qu'il y a le message. Viens, Izio, on va remonter. Donc là, t'en as donné une, ça fait 10%. Ouais, donc faut en donner 10, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, t'en as deux, là. Elle clignote, hein. Donc elle fait de la lumière aussi. Elle a les. Les cornes qui clignotent. Vous êtes au niveau de la cascade? Tiens, une deuxième. Ouais, toi, ça va assez vite. Ouais, attends, tu vois la cascade? Il y a une plateforme au haut de la cascade. Enfin, en haut. Pas vraiment en haut, mais. Drax ou Kabur, mettez-vous au bord pour qu'il vous voit, peut-être. Ouais, c'est ce que j'essaie de. Moi je surveille la pièce. Est-ce que tu vois au niveau de la cascade, donc à droite de la cascade, t'as une plateforme avec une liane pour y monter? On est au tiers de la liane. Il y a un arbre avec un espèce de gros tronc. Ouais, nous on est sur l'arbre en fait. J'avais vu quelqu'un là. Il y a Drax qui est descendu en fait. Ouais, ah, c'est bon, je vois là. Voilà. Ah oui, ça y est, je vous vois là-haut. Moi je donne à la biquette, elle a rendu à 40%. 43%. Ça avance. Ah. Oui, donc ça. À niveau sur le bois, c'est pas mal. De champignons, ça suffira. Ça va pas, Kayle? Non, je suis empoisonné. Elle est mignonne en plus. Ah, elle a fait un gros caca. Plus gros qu'elle. Et normalement, elle fait de la lumière comme bulldog. Ouais, je confirme, bah ça se voit. Elle a sur le dos des traits rouges là. Pour son niveau de batterie. Ah non, non. Ah ouais, d'accord. Non, c'est que ça sentit plus et qu'elle est HS, c'est ça? C'est vrai. Elle faut pas qu'elle tombe, par contre, là, il faut essayer de la pousser pour pas qu'elle tombe. Voilà. Oh, elle devrait pas tomber. Bah, on sait jamais. Niveau 72 quand même, hein, la petite chaise. Ouais, alors je l'ai. Voilà, encore une. Elle est combien? Oh, ça va, ça avance vite. Hein.
Oh là là. Izilou, t'es à poil par contre. Mais je sais, il y en a trop peur qui m'a trouvé. Ah, moi je suis bien comme ça, moi. Ah, elle est trop mignonne. Ouais, j'imagine bien. Et comment ça s'appelle ce truc-là ? Femelle. Encore une. 75%. Énorme, d'accord. Ouais, c'est marrant, t'as remis la queue, t'as vu de temps en temps, là, comme ça, là. Comme un petit chien. On l'a bloqué, là. On peut plus bouger. Là, c'est le but. C'est là, elle a gratté le monde. Ah, encore une. Ah, voilà. Avec Kayat, hein. Encore deux, ça devrait être fini, je pense. Ouais, deux, c'est bon. Ouais. Tu peux me passer un sac de couchage ? Oui, bien sûr. Il faut quoi pour réparer tes outils ? ton armure ? T'as pris une pince ? Ouais, j'ai une pince sur moi. Oh, super. Et vous mettrez un petit pouce bleu pour Isilou à poil, hein, je vais dire toi. Ah. Justement, tiens, Gadu, justement, pour la petite info, il y a un nouvel item qui est intéressant, c'est une espèce de tenaille. Et en fait, ça sert à faire en sorte. Ah bah. Oui. Donc, c'est celui qui est mort, Drax. J'ai sauté quelque part et il y avait des champignons. D'accord. Bien joué. Bon bah arrive. Un fail, problème fail. Donc la tenaille, en fait, quand tu l'as dans ton inventaire, tu peux réparer tous les objets que tu peux réparer dans le smithy, mais dans ton inventaire. Mais t'as mis où Excuse-moi, j'ai rien écouté. Attends. Il existe un nouvel item, c'est une tenaille. Quand tu l'as dans ton inventaire, ça évite d'avoir à réparer les outils qui sont spécialement dans le smithy. Tu peux les réparer sur toi-même. D'accord, ok, c'est une tenaille, d'accord. C'est un smithy portatif en gros. C'est uniquement pour réparer. C'est uniquement sur aberration. Je le mets dans l'Alberta la tenaille. Merci. Isilou, donne-moi ton chien, j'ai donné celui-là parce que moi j'ai le perdre. J'ai envoyé perpète, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus ? Donc pareil, exactement les mêmes. Exactement comme le chien. Tout mignon. On peut les appliquer. Ah oui. Oui, apparemment. Oh, oh. Elle est mimi. Elle fait de la lumière. Hein. Et elle est toute petite sur ton épaule. Bon, et ben c'est parfait. On va aller fermer le truc bleu là et on rentre vite à la base. Ouais. Est-ce que vous avez dans le dino Isilou là. Alors moi je sais plus quel ravageur j'avais parce que là les dinos c'est pas moi. Bah du coup tiens il y en a là-bas le. Là. Bah, moi, c'est un son 13, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok, on trace. Ouais, attends, Isilou va se réveiller là. Isilou. Voilà, comme ça. Du coup, ton ravageur il est mort. Mais pas comme ça, elle est encore cul nu là, Isilou. Ah non, il est pas mort ton ravageur. Non, c'est justement. Bon, tout le monde est en vie. Tout le monde est là. Ouais. Tout le monde a de la bouffe, etc. On peut continuer. Ouais. Bien, où c'est qu'on va maintenant? D'ailleurs, descendre. Je sais pas. Descends là. Bah, je sais pas, moi je suis celui qui descend. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais. C'est moi. Dès que vous voyez des gros cristaux bleus. Il y a un orque qui pleura devant. Est-ce que ça se reproduit les biquettes ou faut les choper? Non, on peut pas. Vas-y. Pardon. Il faut les choper des biquettes, on peut pas les faire se reproduire. Oulala, oui, ah, j'ai chopé des champignons de fatigue. Ouais, moi aussi, voilà, oh, ouais, c'est la merde là. Bah, j'ai passé. Tiens, ça, je gagne. Tiens. Ah non, mais je mange, c'est ça qui m'a. Non, mais ça sert à rien de manger. Bon, je suis quand même normal. D'accord. Tiens. Ah non, mais attends, j'ai peut-être survivre, hein, je sais pas. Non, en fait, c'est. T'as dit c'est, je crois longtemps. Que c'est juste la fin, je crois, non. Tiens, Fais chier, franchement, ouais, j'ai rien fait encore, la merde. Là, mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je dorme? Non, derrière toi. Non, tu le poses au cas où il y a un fail. Oui, mais non, je vois pas. Là. Oui, là. Là. Il me reste 50% de vie à peu près. Vas-y, pose-le. On sait jamais. Essaye de manger les champignons que je t'ai donné, apparemment c'est des antipoisons. Je les ai encore, attends, j'ai essayé tout de suite. Là, par contre, j'ai pas la touche. Enfin, il y a plus tous les champignons, plus ou moins, il y en a moins 3 qui sont antipoisons, mais on sait pas lesquels là, sont trop antipoisons tard, ou vers quel poison, par contre. Je suis endormi, je peux plus. Je vais mourir. Y'a pas. Vous avez pas essayé de mourir. J'ai mangé 3 champignons avant, mais ma vie continue à descendre très légèrement, et je vais mourir là dans quelques instants, je suis à 5%, là 2%, là 1%, et là je suis mort. Voilà. Donc ça c'est con en fait, mais là, du coup c'est à dire qu'on peut, on peut pas respawn. Comment je fais pour respawn là? Bah faudrait que vous fassiez un lit, mais on n'est pas couché encore. Bon, ce qu'on va faire, ça devrait se faire rapidement, moi j'ai une idée, on va se laisser ici, et on va voir ça au prochain épisode. Ok. Voilà, comme ça le temps que, parce que sinon ça va prendre un quart d'heure, on est pas rendu. Du coup on va se laisser, alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé, et on se dit tout à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.